Il faut penser qu'ils sont 500 personnes qui pensent qu'il y avait des possibilités pour avoir les prix. Les images sont destinées à être publiées et à être exposées. Donc il faut trouver quand même des dossiers qui correspondent à ça. Le travail a été très très fort parce qu'ils sont sans sainte. Léonora Hamil et Eric Pilot. Moi, j'ai fait d'abord une formation d'historienne de l'art. Je me suis demandé comment était enseigné l'art à travers le monde. Et j'ai parcouru l'Europe et en fait une partie du monde à la recherche de ces ateliers, dont les écoles d'art. Le jour où j'ai pris cette photo, il y avait un étudiant qui avait laissé, je ne sais pas si c'était une de ses œuvres ou un tas de cadres amassés les uns sur les autres. Et j'aimais beaucoup le contraste entre cette statue et cette œuvre contemporaine. Chez Actes Sud, on est tous très sensibles à la notion de série et pas à la notion de collection. Une coédition, ce n'est pas que l'argent qui est vraiment partagé, c'est aussi un accompagnement. La monographie est vraiment quelque chose qui est conçu avec les artistes. Nous avons des réunions de travail avec le directeur artistique. L'idée du prix, c'est quand même de les accompagner, de les promouvoir, de les valoriser. Donc, c'est important de les écouter. Le travail de promotion accompagne d'ailleurs la présence du livre en librairie. Les libraires sont très sensibles. Là, il se passe des choses parce qu'il y a cette exposition itinérante et qu'elle est bien suivie, bien accompagnée, bien promue. Donc voilà, c'est vraiment, je crois, hein, vous rendez un service réel à des jeunes lauréats. C'est plutôt en école d'ingénieur que j'ai commencé à m'intéresser à des choses artistiques. Et c'est après que j'ai, un peu par hasard, j'ai redécouvert la photo et que j'ai eu vraiment envie d'en faire très sérieusement. Alors l'animal m'intéresse parce que, en même temps, c'est, pour moi, il représente l'autre. Alors l'autre animal, mais aussi l'autre, l'espèce de l'autre symbolique humain. Pour moi, ces cages, c'est construit par l'homme et ça représente ses architectures, ses peintures parfois. Ça représente aussi la culture. Oh, ça a l'air pas mal du tout. Hein. Ah, c'est bien. D'avoir atténué toutes les... Et en plus de cette monographie, nous avons bien sûr l'exposition itinérante qui circule dans 4 lieux, Paris et en région, voire à l'étranger. Nous choisissons le tireur et l'encadreur avec l'artiste en fonction de ses souhaits. La presse et la communication sur ce prix. C'est évident que la presse joue un rôle très important. C'est aussi ça qui nous permet d'avoir une visibilité. Avoir une reconnaissance comme HSBC est vraiment la bienvenue parce qu'on se dit que tout ce qu'on a fait n'a pas été pour rien. Je dirais dans le milieu de la photographie et pour les photographes, c'est une chose vraiment importante et on a besoin de ces promotions. Thank you.